Vous aimez Lourdes. Vous priez Notre-Dame de Lourdes. Lourdes est un sanctuaire vivant qui accueille des personnes du monde entier, quelle que soit leur culture, leur condition sociale, leur âge, leur foi. De génération en génération, l'esprit de Lourdes se transmet. L'expérience de l'accueil, du service, de la consolation, du pardon, de la guérison, permet aux hommes et aux femmes qui s'approchent de la grotte de comprendre combien ils sont aimés de Dieu. Par votre don, le sanctuaire de Lourdes veut poursuivre sa mission au service de nos malades, nos familles, nos jeunes et nous tous qui avons besoin d'air frais spirituel. Lourdes est irremplaçable. Votre soutien aussi. Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Seigneur, Sainte Vierge Marie, qu'au ange gardien de ma mamie, de ma famille, de toutes les familles dans le deuil, enveloppez-nous de votre amour, votre soutien, votre consolation, donnez-nous le courage. Amen. J'aimerais vos prières, de chers pèlerins, car je suis inquiète. Demain, je vais chez le médecin et j'ai peur. Et j'aimerais demander la prière de la Vierge Marie qu'elle me protège. Merci, merci, cher pèlerin. Merci, Vierge Marie. Vierge Marie, je viens te présenter la vie d'une jeune femme pour qu'elle puisse vivre dans la paix et dans la joie. Je vous remercie, Vierge Marie. Merci de prier pour Pierre, qui subit une greffe du foie aujourd'hui. Merci, bonne Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce mardi, nous méditerons les mystères douloureux du rosaire, l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, le crucifiement et la mort de Jésus. Bienvenue à vous tous, pèlerins présents à Lourdes devant la grotte de Massabielle. Bienvenue à vous tous qui priez avec nous de par le monde, par l'écoute de votre radio chrétienne francophone, par l'écoute de la chaîne de télévision catholique Catéo, par votre connexion au site internet des sanctuaires de Lourdes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous prions pour le pape François, pour ses intentions, tout particulièrement celles pour les jeunes, afin qu'ils découvrent leur vocation et qu'ils s'y répondent avec générosité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc. En proie à la détresse, Jésus priait de façon plus ardente. « Père, s'il est possible que cette heure passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Jésus disait aux Juifs et aux pharisiens, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Pour autant, Jésus assume librement et par amour la mission que le Père lui a confiée, le salut du monde, pour libérer l'humanité du mal, du péché, de la mort. Fruit de ce mystère douloureux, le repentir. Prions pour les intentions qui sont confiées à notre chapelet. Prions pour les intentions que nous portons à notre cœur. Prions pour ceux qui sont seuls aujourd'hui devant des cas de conscience, devant une situation à assumer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Fruit de ce mystère douloureux, la mortification des sens. Prions pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Prions pour ceux qui subissent la violence aujourd'hui, tout particulièrement dans les familles. Tous ceux qui, confrontés ainsi à la souffrance, s'enferment souvent dans la rancune et dans la vengeance et dans la haine. Qu'ils reçoivent du Christ Jésus par l'Esprit Saint cette capacité au-delà de l'humain au pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines.
Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, ayant tressé une couronne d'épines, ils la placèrent sur la tête de Jésus. Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit : Voici l'homme. Les soldats s'agenouillaient devant Jésus, couronné d'épines, et se moquaient. Fruit de ce mystère douloureux, le courage. Prions pour les personnes qui sont déconsidérées, humiliées, moquées. Sainte Bernadette à Lourdes a eu beaucoup d'occasions d'être ainsi humiliée. Elle a grandi dans l'humilité, dans l'humble reconnaissance en Jésus de ce qui grandit l'homme, à l'inverse souvent de ce qui dans les sociétés, dans les familles, peuvent abaisser, particulièrement les plus petits, les personnes handicapées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, ils prirent Jésus qui porte en lui-même sa croix, sorti de la ville pour aller au lieu dit Golgotha. Fruit de ce mystère douloureux, la patience dans les épreuves. Prions pour celles et ceux qui sont accablés par les souffrances de l'existence. Prions pour que nous soyons aussi attentifs chaque jour à toutes les croix que nous pouvons soulager.
Demandons cette force d'aimer à la suite de Jésus qui est venu pour servir et non pour être servi, pour donner sa vie. Prions pour la paix dans les familles et entre les nations. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus disait à ses disciples, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Que cette semaine qui nous précède, la célébration de la fête de la Passion, nous donne d'acclamer le Christ, d'en être témoin, jusque dans ses moments les plus douloureux, jusque dans le don qu'il fait de lui-même sur la croix. Fruit de ce mystère douloureux, le pardon des ennemis. Prions pour les agonisants, pour ceux qui meurent en ce jour, pour les défunts de nos familles, pour les âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, dans ta sagesse cachée, tu donnes aux membres du corps du Christ de compléter, par les peines de cette vie, la passion de leur chef. Et tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix se tienne debout sa mère douloureuse. Accorde-nous à son exemple d'être toujours auprès de nos frères souffrants pour leur apporter affection et réconfort. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Vierge Marie, le peuple chrétien à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Allez, 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 Maria. Allez, allez.
c'est là que Marie répand ses bienfaits. Cette prière du chapelet en direct de la grotte du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, animée par le père Charpentier, chapelain au sanctuaire. Et encore, désolé pour les petits problèmes techniques au début de ce chapelet. On voit la fontaine couler sans tarir, et la foule humaine passer sans finir. Cette fontaine, venez et buvez dans l'eau pure et sainte, allez vous laver. Quelques mots sur le message de Lourdes. Plus riche que ce que l'on peut en dire en quelques minutes, nous pouvons nous arrêter aujourd'hui à cette parole de Marie le 18 février 1858 à la troisième apparition. Marie qui demande à Bernadette si elle accepte de venir pendant 15 jours. Je lui répondis que oui, dit Bernadette. Et elle m'a dit aussi qu'elle ne me promettait pas de me faire heureuse en ce monde, mais en l'autre. Et nous entendons dans l'évangile d'aujourd'hui Jésus qui nous dit, comme il le dit aux pharisiens, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Ce monde dans lequel Marie veut introduire Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. C'est bien évidemment l'au-delà de notre vie terrestre, de ce bonheur. De ce bonheur éternel, de vie, de communion et d'amour dans laquelle Jésus veut nous introduire. Nous avons réentendu dimanche, lorsqu'il relève Lazare de la mort, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais ce monde, c'est aussi ce monde intérieur. Saint Paul nous a rappelé dimanche que l'Esprit Saint habite nos cœurs. Que nous n'avons pas à vivre selon la chair, c'est-à-dire selon la sagesse du monde, l'esprit du monde. Non pas le monde créé par Dieu qui est beau, mais l'esprit du monde, la sagesse des plus forts, des plus riches, de tout ce qui écrase, de l'orgueil, de la suffisance, de l'égoïsme. Ce monde de l'humilité, ce monde de la douceur, ce monde de la patience, ce monde de la compassion, de la miséricorde, ce monde dans lequel Marie va introduire Bernadette dès maintenant et dans lequel elle veut nous introduire, tout particulièrement pendant notre pèlerinage. Qu'est-ce qu'un pèlerinage sinon prendre de la hauteur? Non pas pour s'évader, non pas pour se désengager de nos responsabilités, de nos soucis, mais au contraire, pour les éclairer,
de la lumière du Christ de sa parole sous le regard maternel de Marie. Ce monde intérieur que nous rejoignons par la prière, dans le silence, sous la conduite de l'Esprit-Saint qui habite en nos cœurs et qui dans le Christ veut faire de nous des créatures nouvelles. Cette simple parole donnée à Marie, par Marie à Bernadette, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l'autre. Ce monde dans lequel Bernadette avait toute raison d'être malheureuse, illettrée, malade, mais vivant dans une famille où était pétri l'amour les uns des autres. Mais ce monde dans lequel Bernadette va grandir, cette communion de vie, d'amour avec le Seigneur, et c'est bien ce que nous venons chercher dans un pèlerinage. Allez nous ressourcer, prendre le temps du silence, de l'intériorité, de rejoindre en nous, au plus intime de nous-mêmes, le Seigneur, pour vivre de sa présence, pour être témoin de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, nous pouvons demander à Marie, à Bernadette, qu'elle nous invite à prendre de la hauteur. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, nous dit Jésus. Et lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis. C'est-à-dire que Jésus s'identifie à Dieu. Ce nom divin que Dieu va donner de lui-même à Moïse. Lorsque tu iras vers ton peuple, tu lui diras « Je suis m'a envoyé vers vous ». Et Marie est témoin. Lorsqu'elle visite Bernadette, lorsqu'elle nous visite, témoin de celui qui est de toute éternité en Dieu, qui est Dieu. Et qui vient partager notre condition humaine, Jésus le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Oui, rendons grâce au Seigneur pour ce temps qui nous est donné de nous poser à Lourdes, devant la grotte de Massabielle, tout particulièrement dans le silence, dans l'intériorité. Réentendre une parole qui nous est adressée à chacun et à chacune d'entre nous de manière unique, comme elle a été adressée à Bernadette par Marie. Oui, ne pas vivre selon l'esprit, la sagesse du monde, qui est une folie aux yeux de Dieu, nous dit Paul, mais pour vivre selon la sagesse de Dieu, qui est folie aux yeux des hommes, la folie de la croix, et qui pourtant chemin d'accomplissement, chemin de plénitude, chemin de vrai bonheur, dès maintenant, dès aujourd'hui, dans la mesure où notre vie est une vie donnée par amour, une vie de service, de compassion, de douceur, d'humilité, de miséricorde en celui qui est venu pour servir et pour aimer, Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, je bénis aussi tous les objets de piété que vous auriez avec vous, les chapelets, les médailles, les statues que vous désirez offrir, et déjà les personnes auxquelles vous les destinez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne fin de journée, bon pèlerinage à tous. Je vais faire tomber sur celui-là. Je vais prendre le. Je ne pense pas sur mon voisin.